Eh bien, bonjour à tous, ici Kala26 pour vous faire une petite vidéo en attendant la prochaine vidéo qui sera dans un jeu fort peut-être. Donc on va commencer avec Trackmania 2 Canyon. Trackmania 2 Canyon fait par Ubisoft quand même, hein, c'est bon, ben un jeu que j'ai commencé un petit peu jouer, hein, franchement, je l'ai acheté récemment. Et franchement, c'est un jeu que je commence à adorer. Donc pour prouver que j'ai acheté le jeu, hop, je montre mes voitures quand même, parce que les voitures, voilà. Ça c'est des voitures qu'on est obligé d'avoir le jeu payant pour pas que ce soit, pour que ce soit débloqué, pour que ce soit... voilà. Enfin bref, donc Trackmania 2 est un jeu, bon bah vraiment pur arcade, mais vraiment délire, que je vous invite tous à jouer, parce que c'est un jeu. On dit ouais, c'est voilà, c'est sympa, on va passer du bon temps, mais on passe du bon temps. Donc je là, j'ai jamais eu, comment dire, on voit, comment dire, 5200 points. C'est juste, comment dire, un jeu énorme, hein. Je sais pas comment l'écrire. C'est un jeu qui est vraiment massivement multijoueur. Donc on va aller dans un des favoris, on va aller dans Cause Full Speed, hein, pour un petit peu présenter le jeu en même temps. Mais franchement, j'ai jamais... On va dire que j'aime pas trop les Trackmania, les trucs comme ça, et je peux comprendre ces genres-là. Parce que je suis plus dans TDU2, trucs comme ça, mais ça c'est autre chose. Mais pourquoi je voulais parler un petit peu de ce jeu-là? Parce que c'est une vidéo, hein, pour attendre la prochaine vidéo que je prépare. Parce que Skyrim, hein, pour l'instant, on fait une petite pause. Hein. Parce que, hein, il faut bien faire une pause de temps en temps. La prochaine vidéo, je vais pas vous le dire, ça restera une surprise. On a peut-être, comment dire, qui sont au courant, mais que ceux qui sont sur Skype, ça. Alors je joue avec une manette et là j'ai pris mal, pas gagné, y'aura. Et c'est super. Alors je suis une merde dans le jeu, je préfère prévenir. Et hop. Alors, on a vu un bug. Attends, parce que on a vu un bug parce que ça c'est mon PC. Hein. J'ai mis quand il n'y a pas tout au maximum, mais quelques trucs pour comment dire que la caisse ne soit pas, mal fait quoi. C'est pas. En même temps, c'est normal. Hop. Trackmania 2, c'est vraiment, comment dire, si vous déconnaissez un petit peu Nation Forever ou des trucs comme ça, c'est juste comment dire Trackmania 2 a des nouveautés comme le drift par exemple. Moi j'ai jamais eu la version payante, mais voilà quoi, c'est peut-être un des Trackmania que j'ai seul acheté, parce que les autres Trackmania, bah j'ai lâché parce que il te force à payer. Avant on pouvait pas, donc c'était bien, mais là serveur, si on veut rentrer dans un serveur spécial comme ça, c'est bon quoi. Ah oui, le drift, comment dire, c'est vraiment, comment dire, un nouveau mode de jeu, parce que moi vu que j'aime pas trop le drift, mais ça donne vraiment un côté bon. Ça se panique comme à la Ridge Racer, ça c'est sûr. Oh putain. j'adore. Alors, en gros, comment dire, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu là parce qu'il est vraiment, comment dire, imprévisible, et il faut vraiment, ça se joue, comment dire, au réflexe près, hein. Vous avez pas cette réflexe et bah vous faites que de la merde, et ça c'est un petit peu normal parce que je joue avec la manette Xbox, hein. Moi je trouve que c'est vraiment plus précis comme ça. Oh là putain, ouais, c'est la fin du temps parce qu'il reste que 7 secondes, ça sert à plus à rien. Donc voilà, donc c'est franchement, comment dire, il y a des gens, il y a eu le fameux code sur jeuxvideo.com pour avoir les 1 mois gratos, mais vu que je voulais avoir une voiture de marque, je me suis laissé emporter, je l'ai acheté le jeu, c'est tout juste con, hein. C'est pour ça, comment dire, on va pas dire qu'on aime pas ces jeux là parce qu'ils sont vraiment bien foutus, hein. Même si c'est un jeu, même dans le premier, dans le Trackmania, celui qui est gratos en ligne, il est quand même bien foutu pour un jeu qui a au moins plus de 6-7 ans, hein, quand même.
Et maintenant on voit ça, ça reprend un petit peu les mêmes graphismes, mais ça on s'en fout. Nous, on aime bien, comment dire, le fun. C'est pour ça que, bon, et même par rapport au circuit, c'est juste inimaginable, des trucs comme ça. Hein. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Donc, en parlant du jeu, bon, en gros, comment dire, Nadeo, bah, il a été racheté un petit peu par Ubisoft. Et moi, je les plains parce que, comment dire, Nadeo, bah, moi, je trouve qu'il faisait des bons trucs, mais bon, dès que tu vois maintenant Ubisoft partout, ça fait un petit peu trop grosse marque et ça. Bah, je supporte pas quoi, j'aimais bien avec Sneda Deo, je sais pas pourquoi. Alors, ma prochaine vidéo, moi je peux te dire que ce sera un MMO RPG. Je préfère le dire, hein, comme ça au moins on est fixé. Donc, ça va être un MMO RPG qui est très 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 attendu. Donc, vous pouvez poser une question, hein. J'essaierai de faire. J'essaierai, comment dire, de répondre à vos attentes. Parce que c'est aussi un petit. Parce que je voulais faire au début des jeux concours, pour gagner un jeu Trackmania, deux, gratos, mais j'ai dit non, je vais m'en rester. Peut-être dans un an, quoi, ça suffira, quoi. Et je ferai, vous inquiétez pas, je ferai, comment dire, une vidéo où il faudra deviner lequel jeu, le prochain jeu que je vais faire. Parce que là, pour l'instant, faut que j'attends. Je peux vous dire une date? Le 11 avril, on pourra le précommander, le jeu. Voilà, là, je pense que vous avez tout. Et franchement, voilà, c'est bon. Ceux qui ont des suggestions de jeux à faire, je suis tout oui. Donc là, déjà, Trackmania 2, c'est juste pour attendre. Hein, voilà, donc on s'amuse, on papote. Et aussi, comment dire, j'ai aussi une chaîne live stream, non pas non, une chaîne Twitch TV, XR pour XR, pour faire les lives d'Ion que je fais un petit peu régulièrement. Et voilà, c'est. Alors attention, je suis 18e, ça se voit que je suis une merde. Hein. Oui! J'allais me prendre un mur. Ça, faut être fou pour répondre comme ça. En même temps, il faut être fou pour jouer à ce jeu-là. Oh putain! C'était beau ça, c'était beau, c'était beau, c'était beau! Ouais, en gros, on va dire, bon, bah, Trackmania 2, hein, ça se voit, hein, là, on voit un petit peu, vous avez aussi un mode solo, hein, un mode solo que j'épargnerai parce que c'est pas le plus intéressant, mais c'est pas mal pour avoir un petit classement, pour commencer le jeu, parce que, ouais, dès qu'on est en multi, dès qu'on a un classement de merde au début, on dit, ouais, en gros, personne voudra vous, parce que pour avoir un petit classement au début, c'est soit vous faites tout le temps du ligne, mais faut être un gros PGM de la mort qui tue, pas comme moi, moi, je suis pas du tout un PGM, je suis juste un joueur comme ça. Et bon, en même temps dans Trackmania, je suis mauvais, ça c'est sûr, parce que j'ai pas l'habitude. Hein. C'est pas comme. Oh putain, il y a bien un bug. Super les bugs, il y a 53 joueurs, putain. Alors je remercie quelques-uns comme SpeedGT ou autres qui m'ont bon, soutenu aussi pour acheter le jeu, hein, franchement. Et ouais, c'est vraiment, je pense, un jeu qui marque le coup quand même, hein, parce que c'est peut-être un des premiers jeux que je vais acheter avec mon propre argent. Oui. Et franchement, bah, je le regrette pas. Franchement, je fais gaffe à qu'est-ce que j'achète et vous aussi, bonne coup. J'aime. Oui, je suis fou dès que je joue à un jeu comme ça, mais en même temps, c'est le fun, je m'amuse. On dirait pas, mais dès que je me tôle, je m'amuse. Parce que, comment dire, c'est le seul jeu. Ça, c'était un beau 360. Et là. Oh putain, ça c'était beau ça. Ça c'était beau. Ah, j'ai bien aimé là. Putain, mais comment ils vont? J'ai pas les mêmes réflexes qu'eux en même temps ça fait un petit moment qu'ils jouent à ce jeu-là, hein, ces gens-là.
faut être fou dans le jeu. Comme le mec qui s'appelle Crazy devant moi là. Oh putain. Oui. Oh putain, l'arrivée est là. Je l'ai vu l'arrivée. J'ai encore des chances. Dernier essai, parce que là avec le temps qui reste, je pourrais pas. Allez, c'est parti. Ah aïe. Bon, c'est pas grave, je suis revenu sur la route. Alors j'aime bien aussi les noms des joueurs en même temps, hein, chacun ont des noms, hein, ça c'est normal, hein, moi, sans commentaire. Bon, je fais juste pour le fun ça. Oui. Bon bah. Hein. Non, j'ai pas réussi, hein, je suis une merde, ça se voit, hein, j'ai quand même beaucoup de joueurs en jeu là. Tout le temps au stade noob. En même temps, ça fait que une semaine que j'ai le jeu et j'ai du mal à maîtriser un petit peu. Hein. C'est pas. Ah, j'aime ça. Et moi, je mets mon avatar partout. Ouais, j'en ai mal. Oui, je suis là. Hein. 7000. C'est pas énorme. Enfin, bref. Ah, il y a eu quelques spectateurs, je trouve Frever. Ouais. Franchement, on voit les noms là, c'est même pas la peine. Hein. Ça donne envie de. C'est juste une petite vidéo comme ça. Ça je sais pas, je pense que dernier coup, c'est j'arrête. Donc le jeu, il est dans. Bah, il est à 19,99€. Hein. Il est pas sur Steam. Hein. Il est sur Trackmania 2. Hein. Vous allez voir, hein. Normalement, c'est facile à avoir. Allez, hop, c'est fini. Moi, je vais pas faire back, j'ai pas besoin du GPS, c'est pour les noobs. On se fait à notre instinct. L'instinct de renard. L'instinct du renard va arriver. J'aime. Alors là, je me suis pris un mur. C'est normal, je suis pas habitué. Oh. J'ai fait start. Je pense que vous avez bien vu le gros mur qui allait vers moi quand même. C'est juste, ça fait peur. C'est ici que j'ai fait l'erreur. Je ne ferai pas l'erreur deux fois. J'imagine joueur du grenier sur ce jeu là. Il s'amuserait mais... Deuxième. C'est pas mal comme premier classement, hein, voilà. Mais bon, double en même temps. 46 secondes, attends, 43 secondes. Mais what the fuck. Ah putain. Putain. Oh putain non. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Il était temps, mes enfants, que nous allons se failler plusieurs fois dans la journée dans Trackmania 2 Canyon, parce que c'est un jeu de fail. Mais c'est ça qui rend le jeu amusant. Donc les enfants, jouez à ce jeu-là. Je suis un vieux pépé. Ah putain, j'aime. J'aime ta voiture aussi. J'aime ma voiture. J'aime surtout ma voiture. Bon, en même temps, Pagani, hein. Pagani forever. Hein. Ah oui, je voulais vous dire aussi que, comment dire, par rapport aux vidéos qu'il y a eu par rapport à l'ACTA, des trucs comme ça, c'est dommage que j'ai pas été invité. Hein. En même temps, je suis moins important que vous. C'est normal, je suis pas jaloux. Hein. C'est juste, comment dire, c'est une cause qui
qui concerne tout le monde, hein, et ça, même ceux qui jouent pas aux jeux vidéo. Et ça, voilà, déjà, comment dire, Trackmania 2, à savoir que l'ACTA, bah, c'est un grand danger. Hein. Parce qu'avec toutes les bagnoles qu'il y a, les marques et tout, c'est même pas la peine. Hein. Ah, c'est de la contrefaçon. Allez, on le ferme. Ouais, c'est ça en gros. Hein. L'idéologie de... l'idée de l'ACTA, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Gros, ce jeu-là, c'est du peer-to-peer. Ils disent que le peer-to-peer, c'est interdit. Mais what the fuck? C'est juste du partage. C'est un jeu de partage, Trackmania. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi que les jeux de partage qui a, comment dire, une grande réputation comme Trackmania, franchement, c'est non, quoi. C'est juste, comment dire, incompréhensible. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, c'est incompréhensible. Parce que c'est un bon jeu quand même, Trackmania. Mais si l'acta passe, vous aurez plus de Trackmania, les mecs. Donc, réfléchissez à deux fois. Parce que toi, Trackmania, bon, je suis une merde, mais j'adore ce jeu-là. Hein. Alors, il y en a qui disent, pourquoi il y en a, comment dire, ils ont des pseudos couleurs, pour ceux qui connaissent pas Trackmania. Oh, il y a des codes couleurs, normalement, que tu trouves sur YouTube, sur Google, ou des trucs comme ça. Alors, il y a eu un petit bug, mais je me suis sorti. Mais what the fuck? Alors là, voilà, je pense que je mettrai ça au montage, parce que, franchement, le bug que j'ai eu, j'ai freiné avant, donc, et heureusement, et j'ai passé quand même le virage, à l'aveuglette. Si ça c'est pas du PGM, ça je connais pas. Ah là non, là c'est pas du PGM, c'est de la merde. Faut que je fasse 42 secondes. Alors j'ai vu des cheaters dans ce jeu là. Hein. Je ne mens pas. Je suis pas jaloux. Mais tricher dans le Trackmania, c'est juste inutile. Parce que ça se base par rapport au réflexe, parce que tu les vois après toller. Bon, les modes, je suis pas contre, hein, pour avoir des petits trucs de texture et tout. Je suis pas contre. Mais en revanche... comment dire, cheater dans un jeu comme ça... Ça passe pas. Cheater dans 28... 29ème... Maintenant on voit les scores de fou quoi, c'est horrible. Et puis ben moi je vous laisse ici, hein, que tout ce petit beau monde qui est la communauté Trackmania quand même, hein, faut souligner, hein, et que toutes les bagnoles de marque sont faites par des joueurs, hein. Faut pas le dire. Et voilà, c'était Canal G6 sur la vidéo de Trackmania. Au revoir et puis bonne journée. Au revoir.